Bonjour à tous. Alors nous voilà pour le deuxième épisode pour ce match. Donc je vous conseille très vivement de regarder l'épisode 1 si vous ne l'avez pas regardé. Parce que sinon ce ne sera pas très utile de regarder cette vidéo vu qu'on a quand même pas mal de rides pour l'instant. Il y a une dynamique assez particulière qui s'est installée. C'est un système de jeu assez particulier ici. Donc voilà, vraiment, c'est important d'avoir vu l'épisode 1 et d'avoir vu assez récemment. Si vous l'avez vu il y a 3-4 semaines, c'est peut-être pas mal de regarder très rapidement le premier épisode, peut-être même un peu en diagonale, histoire de se remémorer un petit peu ce qui s'était passé. Sinon, pour rappeler brièvement, en gros, je joue un maniaque qui s'est pas foldé, qui 3 bêtes 38%. Voilà, donc ma stratégie c'est de le laisser sans palet pour l'instant et ça marche plutôt bien. Donc cette fois-ci je vous ai mis la table de droite qui était la table 400. Là il a check 3 fois, je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais call, mais je pense qu'il y a pas mal de dames dans sa range aussi. Mais je m'attends à ce que les dames misent la turn, donc c'est pour ça que j'ai call. Et je crois aussi du fait qu'il m'a montré tant de bluff, même dans des spots pourris. Donc je pense capable de bluffer ici, même si c'est pas un très bon. Même si c'est pas un excellent spot. Enfin, c'est pas un si mauvais spot que ça, mais en fait, ces bluffs vont souvent miser flop ou turn. J'aurais peut-être dû fold, je sais pas. C'est un peu close. À la fois il est nul et il bluffe n'importe comment. À la fois ses bluffs font pas trop de sens parce qu'il aurait misé à 20. Donc à gauche je m'entête pas. Il a souvent une dame, je pense. Père aussi c'est possible, mais voilà. Du fait qu'il m'a montré qu'il pouvait cooldown assez light, on l'a vu à la fin de la première vidéo. J'ai pas du tout envie de 3 barrel light, ça serait du gros gaspillage. Donc maintenant, contre lui, je vais tout faire en value. Hauteur roi 10. Contrairement à tout à l'heure, dans la première vidéo, ça me semble moins...